بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهرون به والأرهم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطه لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن زق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات حياكم الله On se pour un nouveau cours autour du livre « nos pieux prédécesseurs, <coughs> les récits des salafes. Toujours dans le chapitre Le souvenir de la mort et de l'au-delà. Et ce sera d'ailleurs le dernier cours sur ce chapitre. On va terminer ce chapitre dans ce cours. On reprend en proche 305. Abdel Wahid, Ibn Zayed, a dit Mes frères, ne pleurez-vous pas par désir de rencontrer Allah Celui qui pleure par désir de rencontrer son maître. Il ne le privera pas de le contempler. Mes frères, ne pleurez-vous pas par crainte de l'enfer. Celui, celui qui pleure par crainte de l'enfer, Allah l'en préservera. Mes frères, ne pleurez-vous pas par crainte de la soif au jour de la résurrection. Celui qui pleure par crainte de cela, on l'abreuvera devant toutes les créatures au jour de la résurrection. Mes frères, ne pleurez-vous pas. Si pleurez pour l'eau fraîche de ce bas monde, afin qu'il vous en abreuve en cet instant, en compagnie des meilleurs repentants et compagnons parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie ils sont. Puis, il se mit à pleurer à la suite de cela, jusqu'à s'en évanouir. Donc, ce que nous rapporte Abdel Wahid Ibn Zayd, c'est au sujet des pleurs. Je crois qu'il y a un chapitre à venir au sujet des pleurs, où on l'a déjà fait, ou je ne sais plus. Et je sais qu'il y a un... Je crois qu'on l'a déjà fait d'ailleurs. Comme la série, De coup, on l'a reprise récemment et que ça longtemps qu'on ne l'avait pas fait, je ne sais plus ce que je sais c'est qu'il y a un chapitre au sujet des pleurs dans ce livre et les salafs pleuraient beaucoup pleurer on en parle ici d'ailleurs c'est pas euh, pas un signe de faiblesse alors il y a pleurer non euh, pas pour rien hein, pas pour des choses mondaines ou des choses haram même non quoi qu'il n'y a pas de mal à pleurer si on est sensible là c'est ici c'est pleurer par foi et dans cette société malheureusement bon déjà elle est dénuée de foi et elle nous pousse à tout le contraire Culte du, du, du matérialisme et donc de l'athéisme. Mais les pleurs par spiritualité, les pleurs de foi, et non pas les simagrées de charlatans, j'entends bien les vrais pleurs par crainte d'Allah, par amour d'Allah, par espoir d'Allah, par souvenir d'Allah, peu importe, c'est une très 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 bonne chose. Et euh, on nous a vendu l'idée que seules les femmes pleuraient, ou bien c'était les hommes qui n'étaient pas vraiment des hommes, ceux-là qui pleuraient. En réalité, moi je vous le dis, un homme qui ne pleure pas n'est pas un homme. Pleurer n'est pas une mauvaise chose et n'est absolument pas un signe de faiblesse. On peut pleurer par peine, on peut pleurer pour retenir sa colère, on peut pleurer en s'émerveillant devant des choses, d'accord Et tout cela, de toute façon, ça a trait à la méditation de la création d'Allah et c'est une bonne chose et c'est relié au din, Quoi qu'il en soit, les pleurs émanant d'un cœur sensible qui... Qui vit son souvenir, qui vit son instant, qui est en phase avec ses émotions, je le répète, ce n'est absolument pas une mauvaise chose. D'accord. Mais dans des familles, dans des traditions, dans une société, dans une culture, peu importe, euh, on ne nous a pas appris cela. D'accord. On nous a appris euh, qu'un homme ne doit pas pleurer, certainement pas devant les autres. Déjà, si tu pleures tout seul, t'es pas, hein <laughs> c'est pas bon. Mais alors surtout pas pleurer devant les gens bon sujet de pleurer devant les gens effectivement euh, je ne suis pas pour par pudeur vis-à-vis -vis des émotions ou bien euh, par crainte si s'il s'agit de Dean je suis pas pour hein, les, les les pleurs et les pleurs et les pleurs j'ai dû verser dans tous mes cours dans les 2000 audios disponibles sur la chaîne là j'ai dû verser des larmes deux trois fois parce qu'effectivement je n'ai pas n'ai pas pu contrôler à un moment donné mais si à chaque cours on devait euh, pleurer comme ça enfin euh, un petit peu forcer le truc ce serait euh, ce serait abusé, et il resterait plus qu'à mettre un achide derrière, et puis ça y est, on est bon, et voilà, les gens, ils aiment bien ça, une petite vidéo avec un achide et des pleurs, non, les pleurs, ça ne se contrôle pas, c'est quand on en ressent réellement le besoin, parfois, c'est incontrôlable, hein. et puis surtout, ça doit être, euh, la, la majeure partie du temps, euh, en pleine solitude, d'accord, lors de la pleine solitude, c'est ce qu'il y a de plus pur, si tu penses à Allah, où tu te souviens de l'enfer, ou bien de la tombe, ou bien de la miséricorde d'Allah sur toi, dans ta vie, tout ce qu'Allah t'a octroyé, le fait qu'il t'ait guidé à l'islam, etc. T'es seul, t'as pas besoin de, de faire un post Instagram pour dire Oh Allah, mes pleurs sont pour toi. Et je... Il a, ils aiment trop faire des phrases comme ça. Hein ils aiment trop euh, décrire leur ressenti vis-à-vis -vis du Seigneur et euh, le décrire sur les réseaux, malheureusement. Ça, c'est des choses qui sont très privées, personnelles et intimes. Ici, on a un récit, bien évidemment, mais. Euh, mais, mais quand vous vivez un instant comme ça, si vous vivez un instant comme ça, et je vous le souhaite, gardez-le pour vous. C'est précieux. Et préservez aussi ces pleurs de toute ostentation, quel que soit le type d'ostentation. Oui, c'est clair. Mais c'est une bonne chose. Si vous vous sentez visé, et inutile de me le mentionner, évidemment, gardez-le pour vous, logique. Mais si vous vous sentez visé par cela, du, du, du souvenir d'Allah en général qui vous fait pleurer, que ce soit pour une raison ou pour une autre, conservez cela. Entretenez cela, c'est très important. C'est très important d'avoir. Euh, des yeux humides, pas tout le temps, d'accord. Je ne veux pas dire qu'il faut pleurer du matin au soir, mais d'avoir un cœur tendre, doux et plein de miséricorde et des yeux donc humides par cela. C'est une bonne chose. Je l'ai dit dix fois, quinze fois, je leur dirai cent fois. Mais et les pleurs font énormément de bien. C'est pas un cours sur les pleurs. C'est là le, le récit qui mentionne les pleurs, mais euh, même de manière mondaine, on pourrait citer le grand bienfait des, des, des pleurs, même pas le grand bienfait, les grands bienfaits des pleurs. J'ai pu toute la liste sous les yeux, mais je l'avais lu. Euh, c'est bon pour la tension artérielle, donc bon pour le cœur. C'est réel, hein. c'est bon aussi pour l'œil en lui-même. Je veux dire vraiment de manière physique, quoi, ça nettoie aussi les résidus qu'il vont avoir dans l'œil ça déclenche aussi une hormone, j'ai oublié le nom de cette hormone, mais euh, une hormone très apaisante. Et pour en avoir versé des larmes, j'ai chialé dans ma vie, pour, pour différentes raisons d'ailleurs, quelle que soit la raison de toute manière, que ce soit après une crise de colère, que ce soit après avoir subi une injustice, donc être peiné, que ce soit... Euh que ce soit après des déceptions, euh, que ce soit spirituellement parlant, même si j'ai pas à vous parler de mes pleurs pour Allah ou quoi que ce soit, parce que j'ai dit qu'il fallait, voilà, fallait garder ça secret. Mais ça m'est arrivé. Euh, à, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, en tout cas, l'après-pleur est une situation apaisante, quelle que soit... Euh, la situation au préalable d'accord quel, quel que soit le ressenti que j'en avais du, du coup qu'est-ce que dans, dans quel état ça, ça peut me mettre parfois même on est on est désespéré on est dépassé on est fatigué on a souffert et la fatigue s'accumule et on sent lourd et là tu chies à mon cou comme on dit tu pleures tu pleures tu pleures tu vides euh, qui ne s'est pas senti mieux après des pleurs. Donc, il y a un grand, grand bienfait à ne pas retenir ses pleurs. Au contraire, c'est un mécanisme naturel. Ça fait énormément de bien. C'est bon pour la santé, même. Voilà, je vous le dis ici. C'est bon pour le moral. Et, et à contrario, garder, garder. Comme ça, ça, ça rend le cœur dur hein, de ne pas pleurer. Et, fortiori, en premier lieu, pour Allah, ça rend le cœur dur. Les gens qui, euh, qui ne pleurent jamais, comme ça, ils conservent leur, leurs émotions jusqu'à un moment donné, réellement craquer pour de bon et... Elle ne peut pleurer d'ailleurs, mais en venir à des choses. Enfin, en as qui se suicident, ils ont, ils ont, ils ont jamais pleuré avant, quoi. <laughs> c'est dingue quand même. Le mieux, c'est d'évacuer un petit peu par petit peu, hein, pas pour en arriver à un stade où euh, on pète littéralement un plomb. Voilà. c'était pas le sujet, là, des, de parler des pleurs et de décrire euh, tout ce qui est à attrait aux larmes. Mais. Euh, mais tout de même, je, vu que le, le récit en, en faisait mention, je voulais vous en parler, voilà, parce que je suis un adepte de cela, je défends cela, la <laughs> team pleure, c'est très important. Moi je trouve que c'est une belle chose en fait. Je trouve que c'est une belle chose et c'est une manière d'exprimer ses émotions ou bien d'extérioriser de, de, certaines émotions euh, de manière noble. Je trouve ça très noble, je trouve ça très noble, ça rend la personne très humble, euh, sur l'instant en tout cas. Euh, ça, ça apaise, ça la calme réellement, quelle que soit euh, quelle que soit l'émotion en question. Pour moi, on n'est jamais déçu d'avoir euh, d'avoir pleuré, et on s'en sort toujours mieux après. Donc voilà, et c'est une irma dans la raison. Celle-là qui fait sourire, c'est là qui fait pleurer, et parfois elle te fait pleurer parce qu'il veut te rapprocher de lui ce là parce qu'il veut aussi que tu t'apaises, d'accord Donc c'est bien de rire, mais aussi trop de rire, ça endurcit le cœur et là la cri les ha ha, on sait. On est des rigolards et voilà, on vit, nous ne sommes pas des, des grands assets, donc on rigole trop. On sait moi le premier. On rit, on rit, on rit, on sait même pas où on va aller. Hein, pleurons un peu plus. Et quand je dis pleurer, c'est pas le, les pleurs du dépressif. Est-ce qu'ils pleurent encore ces gens-là Vu qu'ils sont complètement <laughs> anesthésiés sous drogue, sous médicaments, excusez-moi. Euh, coucou Big Pharma. Mais euh, ils sont complètement shootés. Donc ils, ce qui, ça sert à annuler les émotions, hein, les, les médicaments contre la dépression. Donc je suis pas certain qu'ils arrivent encore à pleurer. Et c'est malheureux. Moi, bon, ben, j'ai un témoignage comme ça. Je crois que c'était une sœur. dit, mais Je pleure plus. Ah bah non, t'es sous médicaments. Ah bah tu pleures plus, c'est sûr. Ah bah y a plus rien qui sort. Mais ça annule tes émotions en fait c'est dingue qu'est-ce qu qu'ils peuvent faire avec des substances chimiques c'est complètement fou mais ça agit sur une partie du cerveau t'as plus d'émotions tu pleures plus mais c'est bien de pleurer donc voilà euh, bon eux c'est encore autre chose mais quand je dis bon, les, les dépressifs euh, sans médicaments on va dire ceux qui chialent pour tout et pour rien et pour trucs bon là faut pas exagérer d'accord surtout qu'il y en a ils pleurent pour des choses euh, mondaines voire haram euh, les chagrins d'amour dans le haram, quoi. les fornications, et, euh, il ou elle m'a trahi et je pleure. Bon, là, euh, je ne peux pas valider ce genre de larmes, quoi, en fait. Hein. Voilà. Ou pour des choses euh, ou pour des choses futiles, des choses mondaines, comme il y en a qui pleurent pour des chanteurs, etc. Non, évidemment, là, je ne vais pas encourager ces, ces pleurs-là. Mais une, une, une larme d'émotion noble et sincère, c'est une, une très belle chose chez la femme, mais aussi, euh, aussi chez l'homme. Voilà, et je n'ai jamais eu honte d'en parler moi, de revendiquer cela et d'encourager cela, même si je vous dis toute une toute une horde. Quand je pense à horde, je pense à Zemmour maintenant. Ils ont lâché la horde et tout peux comme il a dit là. Je sais pas pourquoi je parle de lui ici, mais il me fait pleurer de rire peut-être. Ça doit être ça. Mais quand ouais, une une horde de gens, que ce soit via l'éducation de la société ou de celle qu'on a reçue de nos parents, nous ont, nous ont toujours appris à ne pas pleurer. C'est difficile de se dire qu'aujourd'hui euh, c'est un bien. Il y a même des frères qui ont eu honte. On m'a déjà dit, on m'a déjà fait des confessions. A dit « moi je suis quelqu'un, je pleure et tout machin, mais c'est pas bon chez moi et tout machin. Je, je dois cacher ça, je dois pas montrer que, par euh, un montrer quoi en fait, que tu es humain, que es, <laughs> que as des émotions et que s'extériorise, c'est incroyable. Et ça là, t'en avais pas honte, vous voyez. Ils il en parlent ici. Il, il a pleuré, il a pleuré. Lui, il a pleuré. Abdelwaheb jusqu'à jusqu'à s'évanouir. C'est pour vous dire. Hein. Pour vous dire à quel point il a dû vraiment euh, bien, 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 bien pleurer. C'est vrai que les, les pleurs, quand ils sont abondants, quand vraiment on a des émotions fortes, etc., ça ne m'est pas arrivé tous les jours, bien évidemment, mais ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie. C'est vrai que ça nous, euh, ça nous bouleverse, hein, ça nous transcende hein, quelque part. Hein, quand vraiment ça, ça, on pleure à flot, à flot, à flot, c'est quelque chose qui, euh, qui met dans un état second un petit peu, c'est vrai, hein, il faut le dire. Hein. C'est quelque chose. Quand il y a trop d'hormones qui est libéré, je pense à mon dél le corps il lâche. C'est bon, j'en peux plus. Pareil pour dormir. C'est pas si y en a qui ont déjà énormément pleuré avant de dormir, mais après, piou, on s'endort d'une manière, assez... c'est extraordinaire. Donc, euh... Tim pleure. Voilà, je vous le dis. Parenthèse fermée, on va revenir vraiment quand même sur le, sur le texte, puisqu'on en a plusieurs à lire quand même avant de... de terminer le chapitre, sinon on va pas le finir. Donc. Il parle du désir de rencontrer Allah et des pleurs qui y sont liés. D'accord Celui qui pleure par désir de rencontrer son maître, il ne le privera pas de le contempler. Donc, ça, c'est l'espoir de la rencontre avec Allah ou même l'impatience de la rencontre avec Allah parce que cette dunya euh, déçoit, éprouve, etc. Mais tu te souviens, euh, tu te souviens et tu aimes l'idée que tu vas un jour rencontrer ton Seigneur. Tu penses à cela et ça te fait, ça te fait pleurer parce que tu te dis qu'à ce moment-là tu seras en sécurité, parce qu'à ce moment-là tu te dis que, voilà, et si tu es au paradis, tu pourras voir Allah, il y aura plus de souffrance, parce que parce que tu seras enfin aux côtés du, du juste par excellence, etc. Les, les causes peuvent être multiples, mais tu, tu, tu pleures par désir de rencontrer Allah. Voilà, il mentionne ça ici. Et aussi, les pleurs par crainte de l'enfer. Hein, parce qu'on pense au paradis, on pense y être bien, et qu'Allah nous l'accorde. Mais il y a aussi les pleurs par crainte. Par crainte de mal finir et de finir donc en enfer, et quelle mauvaise destination, d'accord Et ça aussi, ça peut générer des, des pleurs, de peur, d'accord Mais celui qui, qui verse une larme en réalité dans, dans, cette, dans cette voie, par crainte de l'enfer, qu'il qu s'apaise, qu'il s'apaise, car Allah le préservera de l'enfer, justement par rapport à sa sincérité et sa peur d'y accéder. Mes frères, ne pleurez-vous pas par crainte de la soif au jour de la résurrection donc pour ceux qui ne savent pas qui débutent ou quoi et qui ont encore des lacunes dans la pédagogie on sait qu'au jour de la résurrection donc c'est Yom Kippah hein, le jour du rassemblement le jour des comptes le jour de la résurrection euh, ça a plusieurs noms ce jour d'accord donc parmi ces noms le jour de la résurrection Yom c'est un jour où euh, les gens seront seront assoiffés hein, seront assoiffés terrorisés apeurés euh, complètement affolés et, euh, et il, fera, euh, il fera très chaud il fera très chaud et les gens auront extrêmement soif Alors, ce sera euh, pour en tout cas les coffards les croyants seront préservés et pour eux le jour du jugement sera rapide ça sera rapidement mais pour ceux qui seront dans les plus mauvaises situations dans les plus mauvaises stations à, à ce jour et l'ont mérité par rapport à ce qu'ils ont avancé ici bas la soif se fera, euh, se fera grande, d'accord euh, Et donc, c'est une, une, une crainte, euh, <laughs> pas comme l'enfer, pas comme la crainte de l'enfer, mais une crainte similaire, voilà, une crainte similaire, parce que si on est dans cette position-là, euh, Yom ce c'est pas forcément euh, bon signe. Donc, pareil, les, les, les pleurs par crainte de, de cela. Celui qui pleure par crainte de cela, on l'abreuvera, Devant toutes les créatures au jour de la résurrection, il ne ressentira plus cette soif. Ensuite, il dit hein, Mes frères, ne pleurez-vous pas C'est-à-dire, il s'interroge, il, il, il incite aux pleurs. Encore une fois, hein, comme moi, il dit Il, il, il vous demande Est-ce que vous pleurez ou pas Donc, c'est une incitation. Dans sa question, c'est une incitation Mes frères, ne pleurez-vous pas Ne Pleurez-vous donc pas C'est ça que ça veut dire. Comme quand Allah euh, nous dit Ne raisonne t il donc pas De la même manière Mes frères, ne pleurez-vous pas il, il demande, ou il s'étonne, ou il enjoint, mais ouais, c'est important de souligner. Ouais, ça, les mots ont leur importance. Si pleurez pour l'eau fraîche de ce bas-monde afin qu'il vous en abreuve en cet instant. Si vous pleurez, pas pour ça, pleurez pour l'eau fraîche de ce bas-monde. Aussi, parce que... Si on rentre vraiment dans le détail, et le détail c'est la méditation des choses. Aujourd'hui, nous on a des bouteilles d'eau, on va à Leclerc, on va au champ, attaque, tu prends ton pack d'eau, tu le mets chez toi, tu mets une bouteille au frais, quand t'as soif, tu te sers un verre. Tu ne, ne, Malheureusement, quand je dis tu, c'est général, tu ne médites même plus sur la nirma que peut être l'eau. Et j'ai toujours dit d'ailleurs que l'eau, une eau fraîche, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir ici-bas. Si je devais garder une seule chose, une seule chose, bon déjà, de manière physiologique, c'est le meilleur des choix. Parce que tu peux avoir de l'argent, ça sert à rien, on est d'accord. De la nourriture même, au final, sans eau, ça sert à rien. Et on peut tenir jusqu'à trois semaines, il me semble. Il faudra vérifier les chiffres, mais j'ai entendu dire qu'on peut tenir jusqu'à trois semaines sans nourriture. Mais on ne tient pas de trois jours sans eau. C'est très très compliqué. Alors, vraiment, ne rien boire euh, ou un peu plus peut-être, mais quelques jours euh, maximum. Donc de toute façon, ce serait le meilleur des choix, c'est de garder l'eau. Mais effectivement, euh, au-delà de ça. Si vraiment je devais faire un choix et garder une seule chose de cette dounia, parmi toutes les choses, ce serait l'eau. L'eau qui déjà est utile pour énormément de choses. Euh, on peut se laver avec l'eau, on peut se rafraîchir avec l'eau, on peut cuisiner avec l'eau. Il y a énormément de bienfaits avec l'eau et euh, surtout on s'abreuve. On s'abreuve de cette eau et il euh, n'y a pas meilleur délice. C'est pourtant très simple, hein. l'eau, ça n'a pas spécialement de goût, etc. Mais le fait d'être abreuvé, le fait de pouvoir se remplir même d'eau, voilà, c'est le se rincer la bouche que vous voulez, c'est même pour les ablutions. On a recours à l'eau, c'est vous dire la noblesse de l'eau qu'on utilise pour se purifier rituellement. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La grande valeur qu'a l'eau. Et on en, on en. Pour moi, on n'en tient pas assez compte. C'est habitué. Il y des gens qui n'ont pas d'eau tout court, d'autres pas d'eau potable. Oui, et voilà, dans le monde, ça, il y en a qui font des 10 kilomètres pour avoir une eau complètement rassie, complètement dégueulasse, hein, même impropre à la consommation, et pour autant, ils y vont. Puis nous, on a des bouteilles, on a le robinet, etc., et on oublie. On oublie euh, tant de fois que c'est un bienfait euh, enfin, juste immense. Même la place de l'eau, l'eau encore une fois, la grande place en islam, l'eau de Zemzem, ce puits... Voilà, avec cette eau euh, cette eau bénie, cette eau qui a une grande importance dans notre religion, cette eau qu'on utilise pour rokia, cette, cette eau qu'on voilà, qu qu boit de manière sunna, etc. C'est une, une, grande, une grande bénédiction. Il y a un doha à réciter avant de, avant de boire quelques gorgées d'eau de zemzem. Le doha d'Ibn Abbas, puisqu'on sait que l'eau de zemzem est une cause d'exaucement de la vocation, donc, il est bon de réciter l'invocation avant de boire de l'eau de Zemzem. Inch'Allah, on sera exaucé s'il n'y a pas d'empêchement, de, de frein à hein, l'exaucement à cause de quelques, quelques barrières que ce soit. Revenir d'ailleurs à la série de cours euh, sur l'invocation pour en apprendre plus sur ce sujet très très important et très intéressant. Euh, le doigt donc d'Ibn Abbas qu'il récite avant de boire de l'eau de Zemzem Allahumma wa wa shifa'an min C'est-à-dire, voilà, je te demande une science bénéfique. Une subsistance large et une guérison de tout mal. Voilà, là pour la petite faïda, à apprendre et puis à utiliser avec l'eau de Zemzem, tout simplement. Donc, euh, l'eau, pareil, hein, aussi vrai que je vous ai parlé des pleurs et on revient à l'eau, toujours l'eau, au final. C'est une eau qui, qui est différente, évidemment, hein, qui est salée, pour le coup, les larmes sont salées. Elles émanent de notre, notre, notre corps, comme la transpiration qui est salée. Euh, mais. Euh, mais pour autant, on reste dans le <laughs> dans le domaine aquatique, on pourrait dire voilà les pleurs l'eau etc euh, j'aime ça ouais, j'aime ça que ce soit que ce soit ce qui coule sur mes joues ou bien ou bien la mer ou bien l'eau de l'eau source l'eau de montagne l'eau de pluie la pluie aussi grande Nierma qui est la pluie non vraiment on pourrait hein, autour de cette de cette créature de cette créature dont personne ne peut se passer. Euh, aussi bien les pleurs que l'eau potable, on pourrait en dire, en dire, en dire et en dire. Ouais. Mais donc voilà. Pleurer pour l'eau fraîche de ce bas monde, qu'il dit. Parce que c'est vraiment une grande Nirma, et pour moi la, la plus grande. Il y en a des Nirmas, mais l'eau. Subhanallah, l'eau! Donc, Inch'Allah, faites l'effort et pensez à moi, Inch'Allah, comme ça je gagnerai quelques hasénètes. Le musulman est toujours intéressé dans le sentier d'Allah. Pensez à moi quand vous ouvrirez une bouteille d'eau, ça me ferait toujours plaisir. Je repense au cours de Qasim, il a parlé de l'eau, etc. Alhamdulillah, ça peut permettre de méditer et que c'est un bien et qu'Allah te récompense. Pour ça, je serai récompensé aussi. Pense à l'eau quand tu fais l'eau au pense à l'eau quand tu te laves, pense à l'eau l'eau de pluie, pense à l'eau voilà, que tu bois, tu te sers un verre, tout simple, ou tu bois une gorgée à la bouteille, tout simple. C'est un geste, fais même plus attention. Et pense à cela. Et dis-toi que tu as une grâce, vraiment un privilège entre les mains. C'est un trésor, c'est un trésor. C'est de l'or transparent, c'est même plus important que l'or. Et que l'or, qu'est-ce qu'on fait On peut même pas le manger, il sert à rien l'or en réalité, d'accord Mais l'eau, l'eau, et à la vitesse où l'homme détruit la planète, l'eau, ça va devenir compliqué. Et ça l'est déjà dans beaucoup de parties du globe. Attention, ne pensez pas que l'eau c'est infini. C'est un, un trésor, c'est un trésor, et pour autant, voilà, on ne s'en rend, rend pas compte, voire même on la gâche, on l'empoisonne, enfin les nappes phréatiques, bref, je ne vais pas faire un cours de géologie ici, ni, euh, ni, euh, ni jouer l'écolo, mais il euh, y a des documentaires sur ce sujet, voilà, c'est aussi intéressant, l'eau, un jour, on en, on en manquera, et c'est demain, hein. Donc pleurer pour l'eau fraîche de ce bas monde, ce bienfait, et... afin qu'il vous en abreuve en cet instant. Vous savez que les salafs, ils vivaient aussi dans des régions arides, très chaudes, et qu'ils n'avaient pas toujours à boire. Il avait la conscience de cela. Pleurer pour l'eau fraîche de ce bas monde, c'est le plus grand bien en fait que vous pouvez avoir. Et faites, faites en sorte de pleurer pour qu'Allah vous en abreuve en cet instant. <laughs> Donc euh, ils espéraient aussi avoir de l'eau fraîche simplement, de l'eau fraîche. Tant c'était euh, une yarmouche, une, une enfin ça l'est toujours, mais tant, euh, il l'estimait en tout cas. Donc il soit abreuvé en cet instant et comment, en quelle compagnie En compagnie des meilleurs repentants et compagnons parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie ils, euh, ils sont. Voilà. Donc en être abreuvé, soit fit ou quand il parle aussi de cet instant, euh, euh, au jour de la résurrection. D'accord hein Qu'on qu ait de l'eau. Euh, dans le moment où on aura le plus besoin, encore plus qu'ici, alors qu'ici, on en a déjà besoin chaque jour. Chaque jour. D'ailleurs, ce qui affaiblit le plus le corps, je ne suis pas médecin, mais quand même, c'est bien l'eau durant les journées de Ramadan. Moi, personnellement, c'est faire un verre de lait bien frais euh, ou un verre d'eau bien frais, euh, même une eau citronnée, ce que vous voulez ou quoi, mais c'est vers cela que je me dirige en premier lieu même si la sauna, bien évidemment, on coupe avec une date ou bien euh, une, 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 une bouchée d'alimentation quelconque, on fait, on fait précéder le solide avant le liquide dans la sauna. Mais ce qui m'attrait le plus, ce dont j'ai le plus envie, même si on, on suit la sauna, si on veut suivre la sauna, c'est de, de l'eau, c'est d'un liquide. C'est ce qui me réjouit le plus à la fin d'une journée de jeûne, personnellement. Voilà. Donc, euh, donc voilà, on en a besoin, je vous le disais, à chaque instant de cette eau ici. On en aura encore plus besoin. Inch'Allah, il y a la Voilà pour ce qu'elle aime, que j'ai essayé de vous expliquer. J'ai pris 25 minutes pour le faire, du coup, <laughs> sur une seule parole. J'espérais être moins long à l'avenir, mais je trouvais ça beau, il y, avait, il y avait pas mal à dire. Voilà, il y avait pas mal à dire. Wallahu al a dit à Al-Mansour sache que si. Un vêtement des... Ah oui, celui-là, je l'ai lu, il est... il est fort. Ce aime, il est fort. Sache que si un vêtement des hôtes de l'enfer était suspendu entre ciel et terre, bien les habitants de la terre mourraient en raison de sa puanteur. Alors que dire de celui qu'il portera, c'est-à-dire Yomakayama, euh, enfin, elle là dans l'enfer. Si une boucle des chaînes de l'enfer était jetée sur les montagnes de ce bas monde, elle fondrait comme le plomb jusqu'à parvenir à la septième terre. Alors que dire de celui qui y sera enchaîné c'est tellement euh, immense qu'on ne peut même pas s'imaginer cela. On, on s'imagine pas ça. On, on se l'imagine d'un ilm yarqin, comme j'ai toujours expliqué, d'accord, d'une science certaine. Si on est croyant, on y croit. Il y a une science certaine, mais on n'a pas encore le niveau supérieur. Que dire du troisième degré Le Niveau supérieur, c'est et nel c'est l'œil de la certitude. C'est-à-dire si on voyait ça déjà de nos yeux, ça changerait tout. Là, on le lit. On sait que l'enfer existe. Et on sait que voilà, les salafs nous en parlent, ils avaient des informations, etc. Donc on sait qu'effectivement, l'habit d'un habitant de l'enfer euh, est d'une puanteur telle qu'il non, non pas seulement empesterait la terre entière mais ferait mourir les habitants de la terre je sais pas si vous imaginez euh, aussi vrai qu'une si une Houri, euh, une femme euh, donc, du paradis, paradis femme parfaite là, comme ça voilà sera au paradis prend les croyants ou mdrila si elle se montrait comme ça euh, sur, 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 au, niveau de, au niveau de la terre sa, sa lumière euh, ferait frais, frais, brûler la donne en réalité. Tellement de lumière puissante. Alors imaginez ce qui, ce qui pourrait émaner dans ta'ala. là. Akbar. agib. Agib, on peut même pas imaginer. C'est comme quand Moussa il a demandé à voir son seigneur et qu'il a été euh, foudroyé. D'accord Parce qu'on ne peut même pas supporter cela. Donc dans le bien, pour que euh, ce soit wa là, ou bien dans une moindre mesure la horreur évidemment. Parce que rien n'est au-dessus d'Allah en termes de lumière. Euh, et d'éclat, mais à l'inverse complet, si un, simplement un vêtement était suspendu entre ciel et terre, d'accord, euh, il, euh, il ferait mourir tous les habitants de la terre, tout pourrirait. Vous imaginez la, la, la puanteur de ce que ça peut être, c'est inimaginable en réalité. Pourquoi Parce qu'on est toujours dans un ilm al on n'a que la science sur ce sujet, on, on sait que c'est comme ça. Comment on ne sait pas et on, on le voit même pas, on n'a même pas le Ain et le Yaqin. Que dire du le dernier degré, j'y viens, Haq et le Yaqin C'est que si vraiment, non seulement on le voyait, mais on pourrait le sentir. Et on ne le sentirait pas longtemps parce qu'on en mourrait. Mais on n'a pas encore ces deux stations. Ça, c'est Fil'ehra et Pour l'instant, dounia tu ne peux avoir au sujet de l'au-delà que le Ilm et le Yaqin, la science de la certitude. Et déjà, c'est à travailler. cest dire qu'il faut lire le Coran, la Sunna, les récits des les et y croire fermement. Déjà, c'est une grande étape. Ils n'ont même pas ce Aïm El Ils ne croient pas, tout simplement. Ou alors ils doutent. Donc imaginez déjà cette, cette, euh, cette grâce d'avoir ce Aïm El Quant au Aïm El c'est impossible. C'est ce qu'on va voir avec l'œil de la certitude. Et Allah en parle dans la Sourate 102. D'accord Il en parle de cela. Du Aïm El et du Aïm El C'est là-dessus d'ailleurs que sont basés les savants. Et le Haq El c'est le définitif. C'est quand tu es. C'est quand tu as les pieds au paradis ou les pieds en enfer. Quand tu, quand tu goûtes aux délices ou que tu subis les châtiments, qu'Allah nous en euh, préserve. Donc voilà, ce, ce vêtement d'une puanteur telle qui ferait telle chose. Quant euh, euh, aux boucles des chaînes de l'enfer, une boucle imaginez, pareil, nous on va imaginer, c'est une fausse imagination, on peut même pas représenter ces choses-là, d'ailleurs c'est interdit. Comme dit Sharifamine, on ne représente pas le paradis, on ne représente pas les anges, on ne représente pas l'enfer, on ne représente pas le Shaitan, parce qu'on n'a pas vu ces choses-là, c'est un mensonge. Donc à partir du moment où tu veux représenter, admettons, une chaîne de l'enfer, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas faire une grosse chaîne, admettons, voilà, comme les grosses chaînes avec les boulets qu'il peut y avoir au Moyen Âge. Voilà comment on va imaginer euh, ce que serait une chaîne de l'enfer. C'est pas ça. En fait, c'est juste pas ça. Tout ce que tu peux imaginer même de pire, euh, c'est euh, encore pire. Bah, c'est une des, des boucles. Des chaînes de l'enfer étaient jetées sur des montagnes, donc imaginez une montagne ce que ça peut faire, une montagne de ce bas monde, eh bien elle, fondrait, elle fondrait comme le plomb, imaginez comme du plomb fondu jusqu'à parvenir à la septième terre, jusqu'à couler comme ça de terre en terre, subhanallah. Alors que dire de celui qui sera enchaîné Imaginez ce qu'il va, qu va ressentir. Donc, ça, c'est une exhortation sur l'au-delà, notamment au sujet de l'enfer, pour, pour nous faire craindre l'enfer, tout simplement, pour nous faire craindre l'enfer tant les châtiments. Sont, euh, sont, euh, sont, sont, sont immenses et insupportables. Un Bédouin a dit, comment peux-tu te réjouir d'une existence que les heures consument et d'une santé exposée aux maladies Je m'étonne du croyant qui fuit la mort alors qu'elle est sa voie vers la récompense et tous seront rattrapés par la mort même s'il la fuit. Très beau qu'elle aime. Très belle parole. Là aussi, il y a énormément à dire. Bon déjà, comment tu peux te réjouir d'une existence que les heures consument Donc, pour ceux qui sont comme ça, tout le du 1er janvier au 31 décembre, qui sont à fond dans le haram, à fond dans la dunya, ils sont tout contents. Euh, jamais ils ne méditent, jamais ils ne s'attristent sur la réalité de ce bas monde, sur leur cas, sur leur sort, sur leurs péchés. Ils se réjouissent de leur existence, sont tout contents. C'est effectivement, euh, effectivement étonnant. Hein comment peut-on se réjouir d'une existence qui se consume à chaque seconde Dit que les heures consument, je dirais même que les secondes consument. Comment s'en réjouir dans l'absolu Et d'une santé. De toute façon, est fragile, que ce soit ci ou ça, en cette crise actuelle, Zerma, hein, ou bien en tout temps, de toutes les manières. C'est une, une santé qui reste fragile, qui demeure fragile, qui est exposée aux maladies, et même une santé qui peut euh, s'arrêter à, à tout moment, hein, des, une mort subite ou quoi que ce soit, d'un accident. Je m'étonne donc du croyant, il dit qu'il fuit la mort. Et ça, c'est une très belle parole, alors qu'elle est sa voie vers la récompense. C'est-à-dire que est faitir s'il médite sur son après et ce qu'il n'a pas fait pour Allah ça triste d'ailleurs ce serait logique ce serait peut-être même un début de taouba, un début de retour vers Allah si vraiment il est sincère et qu'il a du temps encore mais que dire ce que du temps c'est qu'un agoniste n'est plus permis de se repentir en tout cas n'est pas agréé par Allah mais le croyant qui fuit la mort pourquoi s'il est sincère et qu'il œuvre c'est sa voie vers la récompense c'est sa mort c'est euh, sa délivrance, il a souffert ici-bas, il a œuvré, il s'est fatigué, et là, c'est le début de quoi de, de la plénitude, de la récompense et du rire. Pourquoi la fuir C'est bon, ce qu'il dit. Ça nous fait aussi, euh, il n'existe pas ce mot-là, mais déglo dégloquiser, il n'existe pas, je précise, ne faites pas de mise en garde, dégloquiser la mort. Fait la voir comme une porte vers du mieux-être et quel mieux-être, c'est incomparable même. On ne parle pas ici euh, d'un mieux-être parce que ta situation financière s'améliore, que ta santé s'améliore, que ta situation familiale s'améliore, que je ne sais pas, que, le, 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 que, que la météo euh, devient très ensoleillée, que tu es. Voilà. On ne parle pas d'un mieux-être dans, dans tout cela, hein, bah, tout ce qu'on cherche ici-bas. Hein, qui ne souhaite pas être au soleil, euh, les poches pleines avec sa famille, en bonne santé et que personne ne l'embête Non mais franchement, qui <laughs> euh, moi, moi je veux moi tout ça, moi. Bon, là on est sous la pluie, combattu. <laughs> on tient comme on peut et on, on lutte pour la subsistance. Mais Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Mais cette, cette pseudo-plénitude, ce pseudo-bonheur, ce pseudo-bien-être, on le cherche. On le cherche. Et ensuite, dans nos doigts, on, on nous accorde le paradis. Donc pourquoi on fuirait la mort Pourquoi on ne serait pas heureux à ce moment-là même si je sais que c'est la fin aussi d'une de, de, grande étape, celle de dounia enfin grande, petite par rapport à l'au-delà, mais pour nous immense, et puis c'est en terminer sans savoir aussi où on va, donc c'est impressionnant, mais il n'y a pas que des récits qui euh, glacent le sang dans ce livre, il y a aussi voilà c est, c est, cette très belle parole, hein, qui peut paraître anodine, comme ça je m'étonne du croyant qui fait la mort alors qu'elle sa vers sa récompense, mais c'est beau, c'est beau, et ça... Euh, ça, ça, rend, euh, ça rend plus beau, justement, la, la fin. Ça fait moins peur. Euh, presque, on pourrait dire ça donne euh, envie. Hein. Si on pense au bien qu'il peut y avoir après, imagine tous les soucis que c'est terminé, etc. Si tu finis sur le bien, si tu finis en tant que croyant, bien évidemment, si tu, tu voudrais jamais revenir dans le Dounia, comme je l'ai toujours dit. C'est un j'ai plus son nom, mais c'est un qu'il qui disait ça. Un, un, un croyant, euh, c'est un salaf même qui disait ça. C'est un salaf, et je crois même qu'on l'a vu dans ce livre. Si un croyant. Tu, 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 lui, tu lui donnais la possibilité, un croyant mort, je parle, qui a sa récompense, il voit déjà où il en est, etc. Tu lui proposais de revenir cinq minutes dans dounia même une seconde, il dirait jamais de la vie. Mais je reviens pas là, mais c'est... Enfin, hein, J'en je, je, parle comme ça, je je scénarise, mais tu mais jamais, mais tes enfants, ta femme, ah non, non, mais... la face enfants me rejoignent, mais moi je reviens plus. Hein. Tu ne souhaiterais plus revenir dans le Dunia. Toi ah non, le calvaire de... Non, ça y est. Tu hein vois C'est parce que... Dounia, c'est tout ce qu'on peut avoir de mieux à l'heure actuelle. On ne sait pas ce que c'est l'après. Le bon après, j'entends bien. La, la, le croyant qui, qui, qui reçoit sa récompense, ou du moins un aperçu de sa récompense, sa rétribution. Il est dans, dans la paix totale. Même dans sa tombe. Il est bien, il est bien. Mais pour rien au monde, même dans le barzakh, c'est-à-dire même dans le monde intermédiaire, même dans la tombe, pour rien au monde, un croyant ne souhaiterait revenir dans Dounia. Alors que dire de l'au-delà du paradis C'est inimaginable, encore une fois. On ne peut pas réellement Cerner cela ni d'un Aïn ni d'un On ne peut le faire que d'un Et ça se travaille, ça se travaille pour faire croître la foi, justement, et Hawaat. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple de s'imaginer ces situations-là, être réellement voir le bien, etc. Parce que, aussi, on nous a toujours éduqué dans voilà, la mort, c'est la fin. Ensuite, le corps, il est là, ici. Alors, les coffres, ils sont cramés carrément. <laughs> Crémation, nous l'enterrer, etc. Il y a ce côté très bah, morbide, hein, logique, glauque, ça je dis déglauquiser la mort. Euh, il y a tout ça. Mais on oublie que nous quand on croyant, c'est aussi le début mais du, du bien, de la plénitude et là du mieux-être comme comme il ne peut pas être visé, pensé, imaginé, <laughs> fantasmé, ni même atteint évidemment, fait de le le, le le max du mieux-être que tu pourras avoir ici-bas, c'est c'est rien comparé à l'élargissement de la tombe et, euh, et aux délices de la tombe. Hein. Donc ça, il faut aussi lire des, des récits de ce type afin d'apaiser les cœurs euh, à ce sujet et que les gens viennent un peu plus écouter les rappels sur le souvenir de la mort et l'au-delà. Parce que je vous ai grillé, il y a beaucoup moins de vues sur cette série de cours-là que sur les autres. Et je l'avais dit, ça. Les gens, ils commencent à cliquer ou ils lisent euh, le titre ou je ne sais pas. Ah non, non j'arrête, je ne veux pas. Et puis, ils ne se font pas circuler les cours. Là. Ils l'envoient pas à la famille et tout, et tout ça. C'est logique, il y a plus de, de, de vues sur les autres cours. Pourtant, je suis toujours le même nombre d'abonnés. Donc, ce n'est pas le... Faut, faut pas me la faire à l'envers, d'accord, j'ai bien vu, j'ai bien, bien vu, c'est pas la course aux vues, c'est juste un comparatif par rapport au thème, ce thème-là, voilà, on voit pas des cours sur ça, comme un cours sur le mariage, et avoir des trucs, j'ai fait des fois des, 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 des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues, certaines vidéos, il y a même des centaines de milliers de vues, les thèmes étaient, étaient, étaient bons, étaient corrects, hein, islamiquement parlant, il n'y a pas de problème, si je l'ai fait, c'est qu'il y a un intérêt, mais <laughs> c'est pas ce thème-là, j'ai fait les thèmes sur l'amour et l'au-delà, les gens, ils aiment pas. Ils pas, je peux, je peux comprendre, c'est pas, pas réjouissant. Donc, euh, donc là, ben c'est réjouissant. Là, dans ce calame-là, on voit que c'est réjouissant. Je m'étonne du croyant qui fuit la mort ou qu qui la déteste, alors que c'est sa voie vers la récompense. Tu voulais le bien, tu voulais être libéré. Ben voilà, c'est maintenant, c'est ça. Et maintenant, tu veux pas. Non, tu souris même pas, tu n'es pas heureux. L'être humain ne sait pas ce qu'il veut au final. À croire qu'il veut rester dans cette euh, Dounia, dans, dans cette terre de ce purgatoire, finalement, dans cette terre d'épreuve, là où a été placé Edem. et c'est un châtiment pour lui. Puis nous, on voit ça comme une finalité, comme un. C'est épuisant. C'est pas un bien dans l'absolu d'être dans le Dounia. C'est une épreuve, c'est un test. Ça s'arrête, t'es pas content. C'est ça qu'il faut comprendre, les croix. C'est le paradis du mécréant, comme a dit le professeur Salem, la Dounia. C'est le paradis du mécréant, mais c'est la prison du croyant. Le croyant est en prison ici, il est toujours en prison. Quoi qu'il fasse. Hein, combattu par Zimidallah, euh, lui qui lutte, euh, lutte déjà avec son nef, ses passions, shaitan, les déceptions, les tourments, les pertes, les, les soucis, la, la fatigue, les... c'est compliqué. C'est pas, pas quelque chose qui, qui réjouit dans l'absolu. Et pour autant, on ne voit que par elle, et quand on parle de la mort, on fait, oh là non, c'est terrible. Ça peut aussi être très beau l'après, Inshallah, car là elle nous accorde un bel après, une belle fin et un bel après. Je pense que je ne pouvais pas mieux vous l'expliquer. À mon échelle, de mon petit niveau, je ne pouvais pas mieux faire pour vous exhorter sur cette phrase. Alors. Puis il conclut, le bédouin, il dit « Et tous seront rattrapés par la mort, même s'ils la fuient. » Tous, c'est-à-dire bon gré, mal gré, les bons, les mauvais, les pieux, les pervers, les euh, croyants et les mécréants. De toute façon, ils seront tous, tous et toutes, rattrapés par la mort, même s'ils la fuient. Donc déjà, ça, sert à rien. ça veut dire que ça ne sert à rien de la fuir. Et qu'un croyant doit en plus se réjouir. Quant aux autres, de toute façon, ils ne croient pas. De toute façon, c'est qu'une légende. Par contre, la mort, c'est pas une légende. Ça, ils le savent très bien. Donc je m'étonne, moi, je pourrais faire une continuité de sa phrase au Bédouin et dire euh, que, euh, que, euh, qu fuit, que. Que certaines personnes fuient la mort alors qu'ils euh, qu sont, qu sont étonnants. Moi, je m'étonne de ces gens-là. Hein, quel, quel étonnement de voir ces gens qui enterrent leur... Euh, leurs semblables, donc parmi les cofards, mais à aucun moment ne se remettent en, en question. Hein Alors que c'est la chose qu'ils craignent le plus, puisque c'est la fin de leur paradis, la fin de leur dounia. Étonnant. Étonnant qu'ils ne se remettent pas en question et qu'ils persistent dans leurs injustices, dans leur égarement, surtout à un âge avancé. <laughs> tu vois, les, les, les cofards les plus tenaces, et, et tu sais, c'est une, une annonce d'un grand châtiment à venir pour eux, c'est ceux qui, plus les années passent, sans en citer... Euh, en particulier même parmi les membres du gouvernement, même parmi ceux qui souhaiteraient en être, mais tu les vois qu'ils prennent de l'âge, ils sont de plus en plus hostiles vis-à-vis -vis de l'islam, ils prennent de l'âge, ils sont de plus en plus mauvais, méchants, etc. Euh, C'est un grand signe ça, normalement, avec la vieillesse, tu te reprends plus, tu, tu deviens plus humble, plus respectueux, tu sens, enfin, donc tu, sais, tu, tu, tu tu veux faire un maximum de bien. Ah, il y en a, alors plus ils prennent de l'âge, plus ils sont mauvais. Se passe de commentaires. Hein Allah les jugera, mais <laughs> j'ai pas grand espoir pour eux en bien. Voilà, ils seront rétribués à la hauteur de leurs actions. Et c'est clairement un châtiment hein, de devenir de plus, de plus en plus mauvais avec l'âge, c'est réellement pas bon signe. Hein. Même chez les musulmans, je parle. Hein. Comme on, dit, on raconte des histoires parfois, mon père, plus vieillit, plus devient aigri, plus devient méchant, plus devient si, plus devient ça. Comme on dit, on peut mettre la charrue avant les bœufs et c'est Allah qui juge. Mais c'est pas bon signe. Même si cette personne-là reste musulmane, ce n'est pas bon signe que d'être de plus en plus aigri, orgueilleux, avoir le cœur dur avec l'âge. Normalement, je vous dis, on doit être de plus en plus humble. Regardez les savants. De plus en plus miséricordieux, de plus en plus humbles, de plus en plus sensible, de plus en plus scrupuleux face au péché. Allah, Ils sentent aussi leur faim. Ils ne sont plus dans la jeunesse. Déjà, dans la jeunesse, ils étaient pieux. Mais là, c'est très important. C'est très, très important. Hein Donc, euh... voilà ce que je pourrais dire sur cette phrase-là. J'accélère. Euh, je ne vais jamais terminer le chapitre. Ibrahim Ziyat vit euh, des gens s'apitoyer sur un mort et il leur dit, vous apitoyez sur vous-même et meilleur pour vous, car le mort, lui, est désormais préservé de trois éprouvantes. Il a fait face à l'ange de la mort, il a goûté à l'amertume de la mort, et il est préservé de la crainte d'une mauvaise fin. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, comme je dis, il n'est plus éprouvé par son EFS, plus éprouvé par Shaitan, ni par les tentations de cette dunya. Donc, vous vous apitoyez sur lui, mais vous devriez plutôt pleurer sur vous-même, en fait. Parce que lui, il a passé une étape que vous n'avez pas passée. Vous, vous êtes encore éprouvé. Vous ne savez même pas comment vous allez finir. Peut-être ce sera une mauvaise fin. Peut-être vous allez finir sur le couffre. Voilà, il y a là. Donc lui, s'il est mort croyant déjà, pour lui, ça c'est sûr que non. Il est mort dans le bien. Et puis il a déjà goûté à cette grande étape, l'amertume de la mort, les affres. Et puis euh, il a fait face à l'ange de la mort. Et ça, c'est, une rencontre euh, comme il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est pas sur le mort qu'on doit s'apitoyer. C'est sur nous-mêmes, par rapport justement. À ce moment-là, à venir pour nous. Ça y c'est déjà fait. C'est déjà fait. Un pieu a dit Ô oh, vous les gens, amendez vos œuvres. Portez peu d'espoir et sachez que la mort est devant vous et que ce bas monde se replie derrière vous. Donc là, il a résumé tout. En une phrase très courte, très concise, il a tout résumé. Œuvrez, œuvrez, œuvrez un maximum. Portez peu d'espoir, c'est-à-dire en cette dunia. Voilà. N'attendez rien cette vie en vérité. Sachez que la mort, elle est juste devant vous. D'accord plus ou moins, mais juste devant vous, et que ce bas-monde, quoi qu'il en soit, se replie derrière vous. Depuis qu'on est né, euh, chaque seconde, c'est du passé. Je vous parle, il y a cinq minutes, c'est déjà du passé. d'accord Ce bas-monde ne fait que se replier derrière nous, qu'on le veuille ou non. Et l'au-delà se déploie, à contrario, devant nous. Et ça arrive vite. Un pieu a dit également Quelle existence pourrait être bonne alors qu'il n'est aucun remède à la mort Très, très, très belle phrase, encore une fois. Très belle phrase. Comment on pourrait se satisfaire de cette vie Qui fait cette dunya euh, sans limite Comment cette existence pourrait être bonne Même si, Alhamdoulilah, on remercie Allah pour les ni'am. comment elle pourrait être dans l'absolu bonne alors que, de toute façon, il n'y a pas de remède à la fin celle qui brise tous les plaisirs, tous les délices, tout, 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 toutes les acquisitions, toutes les satisfactions, une fin à tout. Ce qui nous fait relativiser aussi nos pertes, quand on échoue. quand De toute façon, de toute façon, il y a une fin. Tout va périr, à commencer par nous-mêmes. Il n'y a aucun remède à la mort. On ne peut donc pas être heureux, fondamentalement. faites de il n'y a pas de plénitude. Abou Hadim a dit Tout ce sur quoi tu détesterais mourir, abandonne-le maintenant et qu'importe ensuite quand tu mourras. C'est-à-dire que. Si tu ne souhaites pas mourir dans telle ou telle ou telle situation dans tel péché, délaisse-le dès maintenant. Délaisse-le dès maintenant. Ensuite, finalement, qu'importe quand tu vas mourir parce que tu seras dans le bien. En tout cas, tu seras loin de ce que tu détestes, hein comme situation pour ta mort. D'accord Celui qui, je sais pas, il y en a, ils sont encore ils sont encore dans le milieu de la musique. Voilà, vous aimeriez pas mourir en tant que rappeur ou sur scène. Bon, bah délaissez ça maintenant, Là vous serez préservé. Il y en a, ils sont encore dans l'alcool. T'aimerais pas mourir avec de l'alcool dans les veines, en état d'ébriété, sous, Délaisse ça. Si tu finiras pas dans cette situation-là. Ensuite, qu'importe quand tu mourras, si tu' es dans le bien, en fait. En fait, le message, c'est repends-toi de tes péchés pour ne pas mourir dessus. Ainsi, tu ne seras pas inquiet euh, au sujet de quand la mort va t'atteindre, puisque de toute façon, tu t'es écarté. Des mauvaises choses qui pourraient t'emmener vers une mauvaise fin. Donc c'est repens-toi pour avoir l'esprit tranquille. C'est ça que ça signifie. Allah On a dit celui qui place la mort devant lui ne considère plus ce qu'il possède. Voilà, la dounia, ce qu'il a, ça lui, ne lui fait pas tourner la tête parce qu'il sait très bien que tout cela est éphémère. Inutile d'en commenter davantage, c'est clair. Al-Hassan a dit Je n'ai pas connu un homme sensé sans constater qu'il craignait la mort et sans l'attrister c'est-à-dire intelligent, quelqu'un qui médite, quelqu'un sensible, un croyant en fait. Je n'ai pas connu un homme croyant en réalité sans constater qu'il craignait la mort et sans en attrister. Ramadablah Aziz a dit, si le souvenir de la mort quittait mon cœur un seul instant, il se corromprait. Donc sous-entendu, si c'est la dounia qui prenait toute la place, hein, si c'était les frivolités de la vie qui rentraient dans mon cœur, certes, ça amènerait une corruption au cœur. Ça donne un cœur corrompu que de penser à la dounia. C'est vrai, plus ou moins. Mais nous-mêmes, au quotidien, dès lors qu'on se met à repencher vers la dounia, que ce soit même du licite, que dire de l'illicite, on sent le cœur qui se corrompt. Automatiquement, le cœur est corrompu lorsqu'il a le souvenir de dounia alors, alors que le souvenir de la mort l'assainit. Hamid El-Lafaf a dit, Malheur au fils d'Adam, trois choses sont devant lui. Une mort au goût amer, un enfer au châtiment douloureux et un paradis à la rétribution immense. Donc malheur au fils d'Adam. En fait, c'est pas tant qu'il lui souhaite un malheur, c'est pas tant qu'il lui annonce un malheur non plus. C'est simplement, il cherche à interpeller les fils d'Adam. Hein, c'est les Arabes ils faisaient comme ça. Malheur à toi, c'est, c'est oh réfléchis, il t'interpelle en fait là. Hamid t'interpelle et te dit trois choses sont devant toi. Une mort au goût amer, ne l'oublie pas. Et ensuite, soit un enfer au châtiment douloureux, soit un paradis à la rétribution immense. C'est l'affaire est grave, l'heure est grave. Réveille-toi, c'est sérieux en fait. C'est sérieux, il y a une fin et ensuite deux destinations. Et Pareil, une phrase très courte, il t'amène à beaucoup de choses, à beaucoup de méditations. Marshall. comme ça a été laissé. Un ascète a dit, nous avons en chaque mort une exhortation en sa condition et ses biens. Voilà. Qu'est-ce qui reste de ses biens Dilapidés, vendu, donné ou perdu Et qu'est-ce qui reste de sa personne, sa condition à lui Plus rien. Un cadavre en décomposition, puis ensuite poussière, que des os et encore, eux-mêmes disparaîtront, si ce n'est le coccyx. Puisqu'on sait qu'Allah nous récite à partir de cette osse. Euh, indestructible, on peut le dire. Mashallah. Il y a là un signe pour les doués d'intelligence. Al-Ala ibn Ziyad a dit que chacun de vous considère qu'il a connu la mort, qu'il a été présenté à son Seigneur et qu'il lui a laissé un répit, et donc qu'il obéisse à Allah. En fait, il se met dans une, il met dans une situation. Ce en fait. salaf te pousse à la réflexion, à, à t'imaginer une situation. Que tu te considères déjà mort. Que tu as déjà été présenté à Allah, d'accord? Mais qu'Allah t'a laissé une grâce, un répit. Parce que tu es, es mortel en réalité. Donc à partir de là, considère-toi toujours en sursis. Donc Allah t'a accordé qu'un répit. Et donc, puisqu'Allah t'a fait grâce, obéis Allah. Obéis à Allah avant le grand retour. Bilal ibn Sa'ad a dit, on a dit à l'un de nous, veux-tu mourir? Non. Mais pourquoi? Je veux d'abord me repentir et accomplir une œuvre pieuse. Alors œuvre, je le ferai, il a dit. Ainsi, il ne veut ni mourir, ni œuvrer. Il repousse le fait d'œuvrer pour Allah et ne repousse pas d'œuvrer pour ce bas monde. Suraan Allah. Allah. Je répète. On a dit à quelqu'un, veux-tu mourir Il a dit là. Il a dit, je veux pas. Il a dit, pourquoi Je veux d'abord me repentir, puis accomplir une œuvre pieuse. On hein pourrait dire, c'est logique. Je veux d'abord me repentir de mes péchés, accomplir une œuvre pieuse avant de partir. Alors œuvre alors œuvre, je le ferai. Plus tard, je le ferai. Hein? Ainsi, celui-là, il ne veut pas mourir pour rejoindre Allah. Il n'est pas prêt, hein? puisqu'il sait que il veut d'abord se repentir, accomplir une œuvre pieuse, et il ne veut pas œuvrer non plus, puisqu'il dit :« Je le ferai », c'est-à-dire plus tard. Il repousse le fait d'œuvrer pour Allah. Je le ferai. Il faut que je me repente. <laughs> il faut que j'œuvre. Quand On ne sait pas. Est-ce qu'il aura le temps de le faire Lui-même ne le sait pas. Il repousse le fait d'œuvrer pour Allah, mais ne repousse pas, par contre, le fait de vrai pour bas monde. Donc là, familièrement, aujourd'hui, c'est quoi C'est euh, mon frère ou ma soeur, repends-toi, nani, nana, que ce soit, voilà, euh, commence la prière, entre en islam, hein, sous-entendu, puisque celui qui ne prie pas, il est mécréant, entre en islam, ma soeur le voile, le hedge, t'as les moyens, la hijra, oh, il serait temps, t'as as les papiers, t'as une maison là-bas, fais ci, fais ça, tu devrais arrêter ci, tu devrais. Voilà, œuvre. Hein, mais toi, c'est quand tu prends de la science, etc. Peu importe. Fais une œuvre de bien, reprends toi d'un péché. Oui, bah plus tard, je le ferai. Oui, bah plus tard, je suis encore jeune. Ou machie, ou machin. Ouais, Inch'Allah. Ah, mais Allah, il veut, il n'y a que toi qui ne veux pas, là. Hein. <laughs> Allah, il t'a ordonné déjà. Inch'Allah, pour œuvrer, ça marche pas. Il y en là, tu leur dis, il faut faire la prière. Ouais, Inch'Allah. Oui, mais Allah, il veut. <laughs> Allah, il veut. Bah non, il ne veut pas parce que je la fais pas. C'est une ruche de shaitan, ça. Ça, c'est une ruche de shaitan. Effectivement. Si Allah ne veut pas que tu pries, tu ne vas pas prier. Mais là, tu te réfugies finalement derrière, euh, derrière une ruse de shaitan, en fait. Il te fait penser que dans ton qadar, tu n'as pas le libre arbitre. Donc, ceux qui n'œuvrent pas pour Allah ou se noient dans les péchés disent c'est qadar Allah. Mais si tu œuvres en bien, c'est aussi qadar Allah. Si tu te repens, c'est qadar Allah. Tu prends de la science, c'est qadar Allah. Non Tu fais la salat, si c'est qadar Allah aussi. Non, c'est qadar Allah juste pour les péchés. Allah, il n'a pas voulu que je prie. Mais pourquoi moi, il a voulu moi, je prie Allahu Akbar. <laughs> C'est ça. Les gens ont oublié le libre arbitre dans tout cela. Ils ont oublié le libre arbitre, qui fait partie effectivement du Qadar et qui est sous-jacent à la volonté d'Allah, bien évidemment. Puisqu'Allah nous dit dans le Coran, vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Ce cours-là que je fais émane d'une volonté de ma personne, mais avant tout, avant la mienne émane d'une volonté d'Allah. Allah a voulu que je vous fasse ce cours. Allah veut que vous entendiez ce message, aux vous qui me suivez. Pas ceux qui me traquaient hein, pour me faire des reproches. Ceux qui me suivent juste pour prendre les cours. Je m'adresse qu'à eux. C'est vous que j'aime. Là, qui, qui me, vous, vous me, on ne se connaît même pas. Vous n'avez pas à me parler. Voilà, vous êtes dans votre coin. Je suis dans le mien. Vous prenez les cours. Juste vous appréciez. Après, si vous m'envoyez un message et un, ici c'est de l'amour ou des questions, il n'y a jamais de problème. Mais toujours des de, 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 de bonnes choses. Du bon partage. C'est à vous que je m'adresse quand je dis voilà, que je fais les cours. Pas à ceux qui traquent, à ceux qui me suivent. Voilà, paix et amour sur vous d'ailleurs. Je vous souhaite tout le bien. Euh, et, et merci pour, vous, pour vos retours, notamment sur les cours, etc. Là, ça, ça encourage. Mais voilà, Allah a voulu que certaines personnes ici m'écoutent. Ma volonté ne vient qu'après. Mais elle existe dans le qadar. Et comme Allah savait déjà que j'allais avoir la volonté de faire ce cours, alors il me l'a inscrite. D'accord Parce qu'Allah nous connaît avant même euh, de nous avoir créés finalement. D'accord Avant même que nous ouvrions, Allah savait déjà ce que nous allions faire. Donc Allah savait déjà que j'allais avoir la volonté euh, de faire ce cours. Mais de toutes les manières, je ne peux vouloir faire un cours ou toute autre action de bien que si Allah le veut. Que si Allah le veut. Donc dire Inshallah dans l'absolu, si c'est sincère par exemple, il faut faire ça. Faut... Tu as l'argent, mon frère. Tu as l'argent, tu as la possibilité, de partir, fais le hedge. Tu dis Naam, Inch'Allah. Puis tu fais, tu, tu fais des causes. C'est-à-dire que tu dis Inch'Allah, si Allah le veut. Puis ensuite, toi, tu le veux. Mais t'en ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas prier. Ils disent Inch'Allah. Ça, ça ne marche pas. Il faut aussi le vouloir. D'accord Il faut aussi le vouloir. De toute façon, tu ne peux vouloir, on l'a vu, que si Allah veut. Mais si tu ne le veux pas, toi, <laughs> ne te réfugie pas derrière le fait qu'Allah ne l'a pas voulu. <laughs> Ça ne fonctionnera pas. Ce ne sera pas une excuse en tout cas, Yom al tu te, tu te tu te noies dans tes espérances. D'accord hein Tu te noies dans tes espérances. C'est toi qui n'as pas envie d'une chose et ensuite tu espères peut-être que qu'Allah te guide comme ça. Non, il faut que tu il faut que tu il faut que tu aies une volonté. Il Faut que tu aies une volonté. Et puis, euh, cette cause-là, c'est une cause, cette volonté, couplée à la foi en Allah, aux invocations en Allah, va faire qu'effectivement, euh, Allah va te faciliter, très clairement. Si tu as envie de faire un bien, pourquoi Allah ne te faciliterait pas C'est un très mauvais soupçon envers Allah. Ceux qui ne prient pas, c'est les seuls fautifs. Wallahi, Wallahi, fuma, Wallahi, j'ai arrêté des cours un temps. Malheur à moi Je suis le seul responsable. Il n'y a pas de ouais, mais Allah, il n'a pas voulu, il a voulu, là, non, il ne voulait plus. Non Allah, il veut que je fasse des cours. Allah nous a enjoint à propager l'arc. Bien sûr qu'Allah il veut que je fasse des cours, de toute façon Allah il veut tout, toute chose, toute chose émane d'une volonté d'Allah. Et on va revenir après sur la définition aussi de la volonté universelle, de la volonté juridique. Il y en a encore qui sont largués à ce sujet, donc euh, sans en dénigrer, mais il y en a encore qui pataugent à ce sujet et ce serait bien d'expliquer. Allah de toute façon veut toute chose, même qu'elle soit bonne ou mauvaise, évidemment, mais toi aussi. Toi, fais émerger une bonne intention de ton cœur, une belle volonté. Mais pourquoi Allah ne te faciliterait pas J'ai la bonne volonté, je veux jeûner et je veux reprendre la prière. Et la sœur dit, je vais mettre le voile. Et non, nah, mais peu importe les critiques. Et moi, je vais ouvrir un livre de sciences ou je vais écouter un cours. Je veux, je veux, je veux. Oh, Allah, facilite-moi. Non, Allah, il va te bloquer. Non, Allah, il n'aime pas les gens motivés, les gens sincères. Non, Allah, il n'aime pas. Allah, il n'aime pas celui qui veut ouvrir un livre de science Quel mauvais soupçon envers Allah. Dis-toi que si tu n'arrives pas à prendre des cours de sciences, tu n'arrives pas à s'en tu n'arrives pas si c'est toi, toi et toi qui es corrompu, toi qui es pervers, nul autre. Ne rejette pas le mal sur Allah. Hein, dire qu'Allah Allah l'a pas voulu. L'a pas voulu parce que tu, parce, parce que toi 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 déjà tu veux pas toi même tu veux pas. Hein toi même tu veux pas toi même tu, tu es mauvais en fait, c'est ça Quand on fait des péchés, c'est qu'on est mauvais. Allah n'a pas voulu me préserver quelle idée Allah ne voudrait pas préserver du feu de l'enfer sa créature sincère. Non C'est que tu es hypocrite, c'est que tu pervers, c'est que tu aimes le mal. Voilà. Donc c'est ce que je me dis à chaque fois quand euh, je ne fais pas un cours par exemple Enfin, là, je les ai repris, mais que je ne fais pas les cours. Mais je me dis, c'est parce qu'Allah ne l'a pas facilité. Simplement, c'est que je ne méritais pas. C'est qu'à un moment donné, peut-être dans une période de ma vie où je ne méritais pas le fait de faire des cours. Je me blâme. Je me jette la pierre. Voilà. C'est tout. Et c'est comme ça qu'il faut, euh, qu faut penser, C'est très, très important. Il veut que tu pries, il te l'a ordonné, même. Prie et la volonté, toi-même. Je peux te le garantir qu'Allah va te faciliter. C'est évident. Depuis quand quelqu'un se lève, veut faire une œuvre de bien, Allah le bloque. Subhanallah, ton ça va te bloquer, le Shaitan, il va te bloquer, et pas Allah, Allah, il veut. Il veut. Et toi aussi, veux un petit peu. Même si ça passe bien après, veux un petit peu. Hein? Fais l'effort de vouloir. T'as pas envie. C'est ça, euh, l'histoire. D'accord C'est comme, euh, Il y a des choses mondaines, une parabole dans la Dounia, l'exemple de, 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 de celui qui. Euh, euh, voilà, vois les autres faire du sport, ils sont comme ci, ils sont comme ça, euh, et moi, euh, moi, j'y arrive pas. Ce que tu veux pas, en fait, t'as pas envie d'aller courir, ou t'as pas envie, de, à un moment donné, de, de réduire ta fréquence alimentaire pour perdre du poids, etc. Et tu, tu, tu veux être comme les autres qui, eux, font l'effort. Mais eux, ils se sont bougés, tout simplement. Quand si tu veux pas, rien n'arrivera. Dans le Dine, c'est pareil. Si tu veux pas le pratiquer ce Dine, effectivement, ça va pas venir. Les gens, ils pensent à un moment donné. Hein, je pense qu'il y en a dans leur hypocrisie, ils se disent à 45 ans, il y a Ghibli, il va venir à moi, il va me donner une révélation. Je vais voir la, je vais voir la lumière en face. Ce euh, sera peut-être la mort, hein, qui sait Et là, ils disent je vais voir la lumière en face un beau jour. Et puis, euh, et puis là, je vais, je vais, me repentir, je vais tout faire. Ça ne marche pas comme ça en fait. Hein. C'est au quotidien, la lutte, la réforme, les efforts. C'est pas euh, le, les grands espoirs. Encore une fois, euh, voilà. Pour l'instant, j'œuvre pour la dounia Mais à un moment donné, oui, je vais œuvrer pour Allah, je vais me repentir, je vais accomplir une œuvre pieuse, je ferai le haït, je ferai la harija, je mettrai mon voile, j'arrêterai ci, je commencerai ça. Un jour, un jour, peut-être, ma machi, machin, Je pense vraiment qu'ils s'attendent à une révélation, une lumière. Il y a un an, je vais venir les voir hier dire c'est bon, c'est ton jour, c'est ton heure. Ah non, ça marche pas. Hein. Et d'ailleurs, je dis, plus tu passes des années dans l'insouciance, plus ton cœur t'endurcit, plus ton cœur, pardon, s'endurcit, soit, et plus ton cœur s'endurcit, moins tu as de possibilités, je dirais, de te repentir. Hein. C'est de plus en plus dur. Parce que tu t'es ancré, ancré, ancré dans quelque chose. Le courroux d'Allah s'abat sur toi et de plus en plus. À un moment donné, pour couper court à tout cela, ça arrive, mais c'est quand même plus rare que celui qui a fait des efforts toute sa vie. Quoi qu'il en soit. D'accord euh, À l'échelle globale de l'humanité, parmi les croyants ou les kofars, on le voit. Les gens qui ont toujours fait des efforts toute leur vie, qui restent persévères sur une voie, ou d'autres qui, euh, au final, eux, ne sont pas. Euh ne sont pas ne sont pas guidés en fait ça on l'a vu aussi dans péché guérison Qayyim. des gens qui euh, euh, persistent 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 dans le mal qui 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 s'attendent pas à une bonne fin en fait t'en ils se reposent sur ça je fais du mal toute ma vie je suis dans l'insouciance la négligence toute ma vie mais j'espère une bonne fin mais j'espère qu'à un moment donné comme c'est cité ici j'espère pouvoir me repentir accomplir une œuvre pieuse voilà euh, T'en avais même parmi les, les, les rappeurs qui parlaient comme ça. j'ai entendu. Abération aberration. Bon, de ils sont les rois, les champions de l'aberration. Hein. C'est-à-dire que je vais passer ma vie à prendre de l'argent haram, à égarer les gens, à être en ta route, à me faire adorer en dehors d'Allah, à chanter n'importe quoi, des paroles de coufre et de shirk, à pas saler, truc machin, show business machin. Ah, C'est ça ma vie. Mais à un moment donné, j'espère. Que quand j'aurai assez fait de mal sur terre, j ai, j ai, il y aura une grâce d'Allah qui va me toucher et puis j'ai point à me repentir. Ça marche pas. Ça marche pas parce que même le pieux, même celui qui fait des efforts dans sa personne, dans ses actions, dans sa science, dans tout ça, lui-même, il doute. Lui-même, il espère qu'Allah lui facilite une dernière bonne action et un repentir. Et il n'est même pas sûr par rapport à ses péchés qu'il a. Mais il est dans le din, celui-là. Comme on dit, il est dans le din. Aujourd'hui, on dit, ouais, lui, il est dans le din. Mais tout le monde doit être dans le din, en fait, à la base. C'est grand marrant, cette expression aussi. Lui, il est dans le din, elle est dans le din, elle. Tu devrais y être aussi, miskine, Miskina. Il n'y a pas dit, il est dans le din. C est, c est, tout le monde doit être dans le Tous dans le din. Ah, bah, on va juste qu'on tourne le doigt, le din. C'est quand même pas pareil. Et puis c'est un choix, on sûr sur cette volonté-là. Il ne faut pas que j'oublie de vous parler aussi de la volonté universelle et juridique. Mais cette volonté-là, c'est aussi un choix. Donc euh, il, est, il est dans le din parce qu'il l'a aussi voulu. Mais il et Allah l'a voulu lui bien évidemment parce qu'il le voulait aussi cet, cet individu cette créature et puis euh, et puis tout simplement si toi t'es pas dans le din pourquoi tu serais demain pose-toi cette question là alors que celui qui est dans le din espère y rester il est même pas sûr d'y rester non il faut méditer oh, ouais, c'est important faut méditer il faut passer le message aux petits frères aux petites sœurs ou aux grands les cousins les cousines les si quand vous connaissez des gens de famille qui se disent musulmans mais ils n'en ont rien à faire il faut il faut parler je pense qu'à un moment donné il faut parler hein. même pas je pense je suis sûr il faut dire aux gens euh, ou dire aux gens, alarme-toi, euh, il est temps. Il est temps, à un moment donné, de de, 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 de se reprendre. Wallahu arlém. Et la volonté, euh, la volonté euh, universelle, la volonté juridique, puisqu'on dit qu'Allah veut toutes choses, le bien comme le mal, ça, ça émane de sa volonté euh, universelle. D'accord Ce qu'on appelle irada kaunia. Irada kaunia. C'est la volonté universelle d'Allah. Allah a tout voulu. Il n'y a pas une chose euh, dans cette création, les cieux, la terre, partout, qu'Allah n'a pas voulu. Qu'Allah n'est pas voulu. Même Shaitan, Allah l'a voulu. A voulu que Shaitan il existe, pour qu'il y ait l'opposition entre le mal et le bien, que les croyants luttent, etc. Etc. etc., etc. Il y a une sagesse dans son existence. Il n'y a pas pire créature que Shaitan. Tout le mal est mal de lui. D'accord Donc Allah veut d'une volonté universelle qu'il y ait du bien mais aussi du mal. Selon sa science, sa, sa sagesse, son bon vouloir, d'accord. Donc ça, ça émane d'une même les péchés ou les atrocités, tout ce qui peut y avoir sur terre, ça émane d'une volonté globale et générale, une volonté universelle, qu'on appelle irada kauniya. Quant à irada sharia, c'est simplement le bien. Allah a voulu que le bien, a voulu que les gens se traitent avec respect, a voulu que les gens déjà l'adorent seul et sans associer, au-delà de se traiter avec respect entre eux plus important, c'est de l'adorer. Allah a voulu qu'il y ait la salat, justement, qui soit, qui soit prescrite. Donc, tu vois, quand il y a des gens ils disent « Ouais, j'ai prié inshallah Inch'Allah », oui, mais Allah, il veut déjà. Il le veut d'une volonté, quoi D'une volonté juridique. « Irada sharia ». Il a demandé aux hommes de prier. Et quand un homme prie, c'est Allah qui le veut, mais il aime ça. Donc, « irada sharia », c'est que les choses qu'Allah aime, qu'il a voulu parce qu'il les aime. C'est une volonté d'une volonté euh, qui sous-entend l'agrément. Alors que la volonté universelle est une volonté générale, puisqu'Allah ne, ne veut toute chose. Il n'y a pas une chose qui existe sans qu'Allah ne l'ait voulu. C'est impossible. Impossible. Même les pires horreurs. Allah l'a voulu d'une volonté universelle. Mais ça, ça implique aussi des choses qu'Allah déteste. Mais que sa sagesse implique. C'est clair pour vous concernant ces deux types de volonté. Ça, c'est une règle, et ce serait bien de la, de la comprendre, de la mémoriser, et de l'expliquer aux gens également, parce qu'énormément de gens patosent sur ça. Euh, pourquoi il y a du bien et du mal sur terre bah, Tout s'explique avec ces deux types de volonté. « Irada, euh, irada kaunia pour commencer, la volonté universelle, et Irada sharaya pour, pour celle qui est euh, juridique. Voilà. Donc lié à sa, à sa religion, à ce qu'il a agréé et légiféré. Subhanahu wa ta'ala. Voilà pour cette explication, cette exhortation. J'ai encore un peu débordé. Euh, J'ai parlé, mais Alhamdulillah avec euh, avec plaisir. Si Allah m'inspire et me facilite à vous euh, à vous expliquer certaines choses, je le fais, je le fais. Donc Allah a voulu que je vous fasse ce cours, qu'Allah agrée ce modeste effort et euh, Alhamdulillah et alhamdoulilah. et ça n'a pas toujours été le cas quand notamment j'avais arrêté euh, arrêté les cours. Donc, Alhamdulillah, que j'ai pu le faire ici. Al-Hassan dit Je n'ai pas vu de certitude plus semblable au doute que la certitude des gens à la survenue de la mort. Bien qu'ils s'en détournent, je n'ai pas vu de véracité plus semblable au mensonge que leurs paroles Nous recherchons le paradis alors qu'ils s'en montrent incapables et négligents. là aussi un calame <coughs> lourd de sens. Quand il dit Je n'ai pas vu de. De, de, de Yartéine, plus semblable au chèque, c'est-à-dire pas de certitude plus semblable au doute. C'est cette pseudo-certitude des gens, la survenue de la mort, et la mort, ils en parlent, ils font même des chansons là-dessus, et ceci, et cela, et la jeunesse par et machin, les gens, ils en parlent, et, et tu vois, c'est agile mais réel. Voilà. Les gens en, en parlent énormément alors qu'ils s'en détournent. Dans, dans le sens ils s'en détournent, ils ne peuvent pas se détourner de la mort en elle-même, mais ils se détournent de sa, de sa préparation plutôt. Ce que ça signifie. Ils se détournent de la préparation en la mort. Voilà. On le, on le voit. C est, c est donc, donc, ils ne peuvent pas être certains, finalement. Ce n'est pas une certitude pleine. C'est de belles paroles. De belles ou de moins belles paroles, d'ailleurs. Mais euh, si vraiment, ils avaient la certitude de, de cette mort, euh, ils ne se seraient pas détournés de l'accomplissement du bien. C'est ça que ça signifie. Et je n'ai pas vu de véracité plus semblable au mensonge, donc une pseudo-vérité, qui en fait n'est qu'un vulgaire mensonge, un vil mensonge, que la parole nous recherchons le paradis. Ah, entend aujourd'hui, j'aime Allah plus que tout, ils sont messagers. J'aime la sauna, je veux le paradis. Mais tu es incapable et négligent vis-à-vis -vis de cela. Réellement. Ta vie, c'est dans la dounia, dans le mal, dans les péchés. Tu aimes ça. Mais tu dis, je veux le paradis. Je veux l'agrément d'Allah. D'accord J'aime Allah, et son messager plus que tout. C'est juste une phrase, c'est comme ceux qui m'ont appris la shahada. Ils pensent que l'islam ça se résume à La ila Allah Mohammed C'est-à-dire si à un moment donné, dans une de leur... ils vivent comme des coffres, mais dans une de leurs stories, ils nous mettent un truc, il y en a un comme ça, hein ils nous mettent un truc de J'aime Allah et son messager, ça y est, c'est fini, c'est garanti. D'accord Tu peux aussi acheter un porte-clés hein, avec marqué Allah et Mohamed et un petit cœur, c'est super, c'est bon, t'as garantie du paradis. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est des actions, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Y compris, y a pour il y a pas, pas d'amour, ça n'existe pas. J'aime Allah, j'aime son messager. C'est tu aimes Allah et son messager dans tes actions, dans ta raqida, dans tes propos, dans toute chose. Ce n'est pas une simple prétention. Voilà pourquoi elle dit, pas vu plus de, plus de certitude, plus semblable au doute, et pas vu euh, une, une véracité plus semblable au mensonge. On passe au suivant. Un cortège funéraire passa devant Al-Hassan Al-Basri. Devant Al-Hassan Al-Basri, le grand Al-Hassan Al-Basri, qui dit, comme cette exhortation est claire, mais si rapidement oublié. Si seulement cette exhortation pouvait trouver des cœurs vivants. L'insouciance recouvre les hommes qui agissent comme s'ils voyaient cela en rêve. La mort de demain, le mort, pardon, de demain, enterre le mort du jour. Subhanallah. Donc comme cette exhortation est claire, mais si rapidement oubliée, lorsqu'on voit un cercueil ou un linceul. tout simplement. Voilà. L'exhortation est claire. Et Il n'y a rien à dire, c'est sous tes yeux. Je rappelle d'ailleurs d'un frère. Manger à l'époque un repas à la mosquée, je me rappellerai toute ma vie, je crois. Et c'était au début de ma conversion en plus. Donc il m'avait fait un rappel, un peu à la manière des salafs, du coup il m'a fait un rappel très clair, vous allez comprendre, j'en souris parce que je suis encore de sa tête du moment et tout, ça m'avait... Je converti comme ça, ça m'avait marqué. Et puis on parle, on parle, on parle, et puis j'aimais bien les débuts, parler des hymnes, etc. Et le ceci, et le cela, et nanani, le rappel, et tout ceci, je commençais à faire des petits rappels à gauche, à droite, j'aimais bien nanana. Et il me regarde, lui, tout calme. Euh, concis dans son, dans son propos, il parlait peu, et il me regarde, il me Regarde le meilleur rappel. Et je me retourne, et il y avait vous savez, des rouleaux de linceul comme ça enroulés. Il me dit Il est là le meilleur rappel. En gros, il n'y a rien à dire d'autre. L'exhortation tant veux, une, elle est là. <laughs> C'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, quand la récompense, sa phrase m'avait euh, marqué, puisque je vous la cite aujourd'hui. Honnêtement, ça doit dater de euh, peut-être quelque chose comme 2013, donc ça commence à 2013-2014, peut-être. 2014, oui, c'est même sûr, c'est 2014, ce repas. Je m'en souviens du moment. Euh, presque la date exacte, presque. Donc, euh, donc ça commence à faire, mais je m'en souviens. Ça rejoint ce que dit ici euh, Hassan Al-Basri comme cette exhortation est claire, mais si rapidement oubliée. Bah c'est vrai parce que tu peux, tu peux voir, tu vas être Génaza par exemple, tu vois, c'est devant toi, c'est clair, mais après on repart. On repart dans Dunia, on repart dans ci, on repart dans ça, on repart dans les futilités et on repart. C'est pour ça que cette exhortation est forte, mais malheureusement si rapidement oubliée. Ou heureusement, en vérité. Malheureusement si rapidement oubliée, parce que ça nous détourne, mais heureusement, parce qu'on ne pourrait pas vivre dans ce souvenir permanent en réalité. Allah, par miséricorde aussi, nous, on l'a vu, nous laisse une part d'insouciance. Par miséricorde, Allah razogène nous laisse une place à l'insouciance, à, à, à la détente. Au fait aussi d'apprécier une part de cette dunya. Si réellement, du matin au soir, on ne pensait qu'à la mort, on ne pourrait pas s'en sortir. D'accord On ne pourrait pas. Même si dans l'esprit des croyants et des croyantes sincères, c'est quelque chose qui est omniprésent. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse. Moi, ce n'est pas, pas du tout pour faire le, le, le pieux ici. C'est juste pour euh, raconte, raconter ou vous enjoindre. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, il n'y a pas une journée où je n'y pense pas. Dans quelque situation que ce soit. Voilà. Même dans des moments de grande joie, je dirais même dans les moments de grande joie, il y a toujours quelque chose qui vient casser ce moment-là. J'arrive pas nécessairement à avoir des moments euh, de réelle grande joie. Inch'Allah que c'est bon signe. Euh, je peux apprécier des moments, mais il y a toujours euh, cette petite pensée qui revient. Même quand je, je pourrais dire j'exulte ou je suis content ou si ou ça, j'en ai même dit à l'époque en rigolant, même lors des rapports sexuels, ça m'arrive d'y penser. Mais <laughs> on va dire qu'est-ce qu'il est glauque. Mais est, je me dis tous les plaisirs de cette dounière sont amenés à disparaître et ça va se terminer. Donc même quand je, je, je devrais juste me taire, profiter, kiffer, comme on dit. Je me rappelle, c'est rare où vraiment j'ai une insouciance totale. Mais globalement, on a quand même une part d'insouciance. On a quand même une part d'insouciance dans, euh, dans, euh, dans, dans, dans nos journées, dans nos vies, dans nos moments. Heureusement, Alhamdoulilah. Mais euh, pas trop. Je pense qu'il euh, faut, euh, faut un juste milieu dans cela. Et il ne faut, euh, faut pas être toujours atterré. Et euh, presque dépressif à hein, penser que, voilà, que les idées noires et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, comme ça, voilà. Même si on a vu que de toute façon, pour le croyant, c'est une, une bonne chose, c'est une belle étape. Mais y penser tout le temps, tout le temps, et trop, ça peut être négatif. Mais de l'autre côté, euh, ne, pas trop, euh, ne pas trop se leurrer. Hein. Même quand on est plongé dans, dans la douniaque, soit même des gens, des choses mondaines, hein, pas forcément des choses particulièrement agréables, mais la routine du travail ou quoi, ok, ou qu se rappeler que de tout cela, c'est qu'éphémère. Tout cela est éphémère et que aussi même dans les épreuves, dans les difficultés, dans les choses pénibles, c'est un instant, c'est maintenant, mais de toute façon il y aura une, il y aura une fin, il y aura de toute façon une fin à cela. Donc, euh, donc malheureusement si rapidement oublié et comme je dis et heureusement pour qu'on ait quand même euh, cette, euh, cette, cette petite, cette petite insouciance qui est une miséricorde du Seigneur. Si seulement cette exhortation pouvait trouver des cœurs vivants, l'insouciance recouvre les hommes qui agissent comme s'ils voyaient cela en rêve. cest dire que oui, c'est un... 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 un rêve, c'est une légende, la mort d'autrui. Hein D'accord Tant que ça ne nous touche pas, nous. Le mort de demain, il termine, enterre le mort du jour. C'est la réalité, ça se passe de commentaire. Voilà. Le mort de demain enterre le mort du jour. Hussayd ibn Hudayr a dit Je n'ai jamais participé à des funérailles sans penser à autre chose que ce qu'on faisait subir aux morts et ce vers quoi il se dirigeaient. Donc, il pensait notamment au questionnement, au questionnement que doit subir le mort, aux éventuels châtiments, s'il les mérite, et ce vers quoi il se dirige, de toute façon, un jugement et une destination finale qui sera le paradis ou l'enfer. Omar ibn al-Manhal al-Quraishi, El pardon, écrivit à Ibrahim ibn Adham, adresse moi une exhortation que je retiendrai de toi. Il lui répondit La tristesse pour ce bas monde est longue. La mort est proche de l'homme, l'âme en a une part à chaque instant. Et l'épreuve rampe en son corps l'épreuve, donc la, la grande épreuve. Presse-toi donc de vrai avant qu'on ne t'appelle à partir et applique-toi à œuvrer en cette demeure de passage avant la demeure d'établissement. Donc il a demandé une exhortation et il lui a dit, la tristesse pour ce bas monde est longue. Donc je vous ai entendu qu'il y a de toute façon plus de tristesse ici bas que de, que de joie, que de moments de joie. La mort est proche de l'homme, on l'a suffisamment dit, l'âme en a une part à chaque instant, parce qu'elle périt, de toute façon, de seconde en seconde, l'âme est vouée à partir. Et l'épreuve rampe en son corps. L'épreuve rampe en son corps. C'est-à-dire que la mort euh, est, à, est, à, est, à un instant, est à un instant de l'envahir. Presse-toi donc, maintenant que tu sais ça, tu es sur donc le, le fil. Hein, on est tous sur le fil. Presse-toi donc d'œuvrer avant qu'on t'appelle à partir et applique-toi à œuvrer en cette demeure de passage, avant la demeure d'établissement, là où tout sera concret et définitif en bien comme en mal. Un sage a dit Comment pourrait se réjouir celui dont le jour consume son mois, dont le mois consume son année et dont l'année consume son existence Toujours l'image du sablier et des secondes qui passent. Comment pourrait-il se réjouir celui dont l'existence le mène en son terme et dont la vie le mène à la mort Ça se passe de commentaires et c'est des choses qu'on a déjà expliquées et méditées dessus. L'Orkman a dit Mon enfant, prépare-toi à ce dont tu ne sais quand cela va t'arriver, la mort, avant que cela ne te surprenne. Donc y penser pour se préparer et ne pas être trop surpris le moment venu. Enfin, dernière citation sur ce chapitre. Lorsque Hassan ibn les approchait des tombes, il disait « Que votre apparence est bonne, mais c'est en votre sein qu'est le malheur. » Donc il disait en approchant des tombes « Que votre apparence est bonne, mais c'est en votre sein qu'est le malheur. » Comme je ça, ça a été le cas pour 3-4 citations de le livre, quand je ne sais pas quoi dire, je ne dis rien. Et là, je ne la comprends pas, sa citation. Je ne sais pas s'il s'adresse aux gens avec qui marchent près des tombes ou s'il s'adresse aux habitants des tombes. Que votre apparence est bonne, je réfléchis, que votre apparence, ah, mais, apparence est bonne, mais c'est dans votre sein qu'est le malheur. Si. Peut-être. Quand je sais pas, je sais pas, je vous explique tout ce que je peux vous expliquer. Il y, en a, des, il y en a des milliers dans, dans ce livre-là. Ça m'est arrivé trois, quatre fois où je vous dis, honnêtement, je ne sais pas. Je ne vais pas inventer une explication, une définition si je ne le comprends pas. Je fais que ce que je peux faire. Donc là, j'ai un hic. que un sur cette citation-là, euh, ça peut être à double sens, en fait, que votre apparence est bonne. Il parle de la, de, du fait que ces gens-là se, se reposent dans la tombe, mais c'est dans votre sein, euh, qu'est le malheur, ce qui pourrait se passer comme châtiment, euh, dans la tombe, de toute façon, il nous fait mention ici qu'il approchait des tombes. Donc il parle forcément des habitants des tombes. Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à percevoir exactement ce qu'il veut dire ici. Bon, désolé, <laughs> c'est pour terminer, en plus, ça ne fait pas un beau finish. J'ai donné ce que j'ai pu donner sur chapitre comme sur tous les autres. Quand j'y arrive, j'y arrive. Quand je ne vois pas quoi dire, je ne vais pas vous inventer quelque chose, ni sauter la citation pour dire je ne l'ai pas vu, comme ça, je parais plus savant, ou je ne sais pas. Non, je vous la cite. Euh, même qui t'a passé pour un... un pour un ignare que je suis d'ailleurs, on est tous ignorants, plus ou moins. Et on a tous plus ou moins de science, au final. Et là, je ne peux pas vous en dire plus. On termine en tout cas sur cette citation. On termine le chapitre Le souvenir de la mort et l'au-delà. Et on continuera plus ou moins sur le même thème au cours suivant avec la mort et ses affres. Il nous faudra aussi quelques cours, je pense, pour le, pour le faire. Au moins. Salaf euh... en parlait beaucoup, donc c'est pour ça. Peut-être deux, deux, trois cours au maximum. Pour faire la mort et ses affres. Et ensuite, on changera un peu de thème avec la solitude. Voilà. J'ai hâte de vous faire parce que j'aime beaucoup ce, ce thème de la solitude. Voilà, quoi qu'il en soit. Qu'Allah rende cela bénéfique. Qu'Allah nous facilite la préparation de notre fin. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Et, et un, apaisement, un apaisement plein, que ce soit dans la tombe, dans l'au-delà et au paradis. والله سبحانه وتعالى أعلام وأحكام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته